Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, la partie qui a pas vu. Coucou tout le monde. C'est les modules. Ça dit quoi l'équipe? C'est son intro pour les vlogs. Ça y est, je suis de retour. J'espère que vous allez bien. Je vais aller voir la team là. Je suis sûr ils sont trop contents de me voir. Ouais, la team. Ah, les gars. Ouais, ouais, ouais. Ça va Steph, tu vas prendre un café? Ouais, je vais venir. Les gars, la team, ça va? Wesh, Lélé, tout ça, mon gars, check. Hop. Pierre-Louis, check. Wesh, Elise. Bien, allez. Me dites, hein, je me fous à poil, hein, c'est bon? Personne va me voir? Putain. Vas-y, je me casse, je rentre chez moi, c'est bon. Coupé! Eh, hey, Camille et moi, on était en larmes, on avançait comme ça! Bande de bâtards. Alex, il est de retour! Ouais! Après une semaine! Ouais, ouais, ouais! C'est bon, ouais, ouais, ouais! Attends, j'ai travaillé mon logo BIM et des ralentis. Ouais! Il est trop en forme. Une semaine sans venir ici. Il voulait venir mercredi. Non, c'était jeudi. Et lui, il lui a dit que j'avais la diarrhée, c'est ça? Ouais, ah, une de cette diarrhée. Les gars, c'était dur, les toilettes ont pris cher. Bah non, c'était mou. Et voilà, on est dans une petite semaine sans Alex, il est de retour là. Oh, tu connais la traîne TikTok? Tac, et moi je vais devant, et après, t'as comme ça, ils font ça, hop, hop, et après, hop, ils vont au suivant. Et après, c'est à ton tour de le faire. Bon, et du coup, pour fêter le retour d'Alex, Alex va nous préparer une séquence vlog un peu style The Office qu'on va tourner cette semaine. Ah, ouais. Oh, ça vient de sortir. Je viens d'y penser. Plan bourbier pour Alex. Voilà, donc il a. J'aimerais bien en vlog revoir ça. Il a 5 jours pour nous préparer ça. Je me dis que ça peut être cool, tu vois. Je n'avais pas fait la séquence The Office. C'est vrai. J'étais pas revenu. Et franchement, je kiffe. Et bah voilà. Moi, je pense que si les gens commentent maintenant dessus, toi, on est trop chaud. Peut-être qu'ils le verront plus tard dans le vlog, tu vois. D'accord. Mais pas sûr. Ou le vlog d'après. Non, celui-là. Il avait rien dit du tout, je suis juste en train de le trapper, mais J'ai vu Corentin qui a dit un truc un peu bizarre. Le chat full hype de malade pour la pêche. Ils sont super hype pour la pêche. Mais vous êtes vraiment tic-tac, vous répétez les mêmes choses tout le temps. Ouais. Alex, c'est... Maintenant, il nous appelle nous. Il nous appelle nous tic-tac. Mais je pense que vous, il faut que vous appelez Boulet Bim ou un truc comme ça. Hein. C'est bon. Ouais, c'est moi tic. Hein. Donc toi, t'es Boubou, mais t'es Boule aussi. Non, arrête. Oh waouh. Wow. Il va te le faire maintenant exprès. Ouais, je rentre chez moi vraiment alors. Bah, vous faites quoi là du coup parce que... Oh bah regarde, ouais. Je suis en train de review pour la soirée Minecraft toutes les parcelles qui ont été sélectionnées dans le week-end par la team édito. Ouais. J'arrive sur une parcelle, regarde sur quoi je tombe. Oh wesh, oh Elise, comment elle est trop bien faite. Regarde le Oh non, mais lui il a gagné. Mais attends, c'est pas possible d'être autant dans le détail. Ça, c'est toi. C'est toi, ouais. Voilà, j'ai fini de regarder, de review toutes les créas validées, logo Gotaga et TMG Corp. Maintenant, il reste Thème Libre. Je vais laisser ces deux loulous. Yes, tu peux dire tic et tac. Quand tu t'adresses à nous. Parce qu'on est sur le même bureau, etc. Donc... Rec, là, vous faites bien tic et tac. Ouais, c'est tic tic tac ou... Quoi? Et voilà, ce soir, soirée Minecraft. Let's go, j'ai pour trop hâte de voir. Franchement, il y a des créations, elles pètent sa mère. Oh, surtout des petits easter eggs, des gars, ils sont trop forts. Des gars et des filles, il doit y avoir de tout. Oui, il y a des pseudos de meufs, hein. Non, mais franchement, dans les locaux, il y en a vraiment deux, trois de très, très, très bien faits. Mais il y en a un pour moi, il gagne. Il s'appelle Floxys. Eh ben, écoutez, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais Floxys. T'en savais rien. C'est toi, Floxys. C'est moi, Floxys. Floxys avec un I. Non, Y. C'est vrai. Oui. Merde. Non, mais le I, mais c'est un I version grec. C'est pour ça. En parlant de grec, on va au grec, Camille. Ah, hey, il est c'est pas mal. C'est tic tac tuc ou... Pas mal cet espace. C'est parce que t'es portugais, c'est ça? Du coup, tu construis super bien. Bon, allez. Ouais. Je te laisse checker le thème libre et puis on envoie le brief à Coco et on est bon pour ce soir. Ok, venez, on bug. Bah, lui, je pense que... T'as bougé Ok, on freeze. C'est les games mutes sur ah, FIFA ou quoi? D'ailleurs, en parlant de Freeze, moi mon préféré c'était Mante Freeze. Enfin, Mentalo, ouais. Ça fait une Mentalo. Mentalo, ouais. Moi c'était Corleone. Moi mon mental est un peu balance en ce moment. Oh, t'as compris? Mental. Oh Mentalo. Mental. Bah, c'est horrible là, on est que lundi, il est midi 5. Midi 5? Je mangerai un âne. Ce soir. Minecraft. On a eu plusieurs centaines de participations, les gens étaient super chauds. On n'a pas pu tout sélectionner forcément, mais ça va être trop bien. Corentin va sélectionner tout ça, il y a des cadeaux de fou en plus, des scuffs, des kersus. Merci beaucoup les gars d'avoir participé, c'était trop cool. Bon bah voilà, je pensais, c'est bon, vous avez assez vu nos têtes. Fin de sequencia. Ah, on devrait le faire tous les jours dans une langue différente. Fin de sequencia. Et bon para você? C'est quelle langue? C'est portugais. Est-ce que c'est ciao pour vous? Après, ouais, moi j'ai eu ma petite séquence tchèque l'autre jour où je disais bonjour en tchèque. Pour clore cette séquence, la team, je vais faire un tchèque avec Tic.
Putain. Je me sens pas concerné. C'est tu qu'on a dit. Allez, on fait un triple check. Allez, c'est toc. Tic tac toc. Ah oui, mais non, mais. Ah oui, non, non, ça c'est que pour nous, ça marche pas avec Alex. Ça c'est nous. Ouais. Et triple, c'est. Oh. Attends quoi? Catastrophe. C'est quoi le vote? Oh, le manque de complicité! J'ai une idée de check de fou, juste toi et moi, c'est ça. Trop bien, non? Eh, hey, bête d'idée, regarde. Le bat. Allez, à toute la team. Ciao! Pour la team, vous savez, il y a quelques mois, Elise et Cam m'avaient piégé en mettant du piquant dans mon café. Coucou, Steph! Bonne rentrée, Steph! On va mettre combien? Pas beaucoup. C'est combien, pas beaucoup? Elise vient me demander de lui faire un café, donc je pense que c'est l'heure de la vengeance. Je te fais un expresso, Elise. La team bleue orange, je ne suis pas bon. Sucre ou pas sucre, Elise? Un petit sucre, s'il te plaît. Un seul? Le quoi? Merci. Juste pour médiatisation, ça me ferait faire très joli. Ah! Fils de. Dites-moi qu'elle a bu. Elle a bien bu. Ah, fils de p***. C'est la vengeance pour le vlog, je sais plus combien vous m'aviez piégé là. Tabasco, oui, Tabasco, ouais. T'as bu un peu quand même ou pas? J'ai bu un peu. Ah, mais elle a en rebord là. T'es moi le café, comment il est huileux. Ah ouais. Ça fait des huileux sa mère. Ça fait genre 3 minutes de touille pour faire partir le piquant. Il y a de l'huile dedans. Alex, pour combien? 2 1 2 3 1 Yes. Oh là. En plus il y a pas de café, c'est il a normal en fait qu'il n'y ait pas de pourcentage sur la médiation. C'est horrible. Ah ouais. On peut pas non, pas non, c'est tellement pas bon. Déjà le café, j'aime pas, je suis pas mec café. C'est vraiment des de pizza. Non. Excusez-moi, faites quoi dans les toilettes des garçons, les filles là? Eh, ça sent bon dans vos toilettes pour une fois. La vengeance est un plat qui se mange piquant. Est-ce que ça annonce officiellement le retour des pranks à la J-Corp? Ah, ça va Yann. Écoute, on nettoie nos touches, le clavier, je pense qu'il avait 4 ans sans nettoyage. Et à un moment, il faut faire quelque chose quoi. J'ai un clavier tout propre, et comme ça je peux monter super vite genre. Bien joué Yann. Et regardez qui est là. C'est avec le café piquant. Il était malade toute la semaine. Oh, mec. Oh putain. Oui, à combien de temps? Je sais plus du tout. Wow. Je viens de faire ma vengeance à Elise. C'est vrai? Ouais. C'est ça là? Non bah non, sinon je serais pas en train de le voir, connard. Mais c'est il y a quoi? Parle mieux. Je rigole. Moi je veux qu'on parle d'un sujet, ça parle de Yann d'ailleurs. Alex, le week-end pourquoi dernier. Pourquoi t'as montré Andreas quand t'as dit Yann? Parce que Andreas était dans le lot aussi normalement, mais je crois qu'il a pas été. Ok. Quoi? Alex est parti le week-end dernier à un mariage et il a laissé son chat à Yann. Oh. Yann devait s'occuper de son chat. Oui, oui, son chat est au vétérinaire urgence depuis 4 jours. Son chat qui s'appelle voilà. Cortex. Cortex, à côté de lui. Filme Cortex. Ah, tu viens de faire ça? Yann, tu peux nous expliquer pourquoi il a des ulcères partout dans la bouche et dans l'estomac, le chat? Par contre, c'est vrai, son chat est vraiment aux urgences vétérinaires depuis 3 jours. C'est pas drôle. Grosse pensée à Cortex. Les pyramides. Non, en réalité, je me suis hyper bien occupé de lui tout de suite les vidéos que j'ai envoyées à Alex. Ok, on se retrouve pour changer l'autre Cortex. On va foutre ça là. De la bonne eau bien fraîche pour Cortex. Et en vrai, pourquoi il est aux urgences là? J'en sais rien, je sais pas. Enfin, c'est surtout lui qui est venu. C'est une chatte. C'est une chatte qui s'appelle Cortex. Non, mais parce que ça, c'est encore plus drôle. Non, mais en vrai, j'espère qu'il ira bien. Tel. Moi, je vais te dire pour ce qu'il m'a dit. Il a qu'à dans l'appartement, il a laissé une capote et ton chat l'a mangé. Oh! Wow. Non mais depuis qu'il miaule, il dit mais sors classe. Le chat il dit ça quand il miaule trop bizarre. Bref, trop bizarre. Il y a des photos de ma Cortex là qui va bien. Des nouvelles. Alex, j'ai jamais mais vu oui, c'est elle Cortex. Bien rangé que chez toi. T'es pas allé chez moi. Normal, tu habitais pas attends. Encore, gros bouffon. Même comme ça, il est. Non, bordel. Alex, c'est clean. Je rentrais, j'étais là. J'avais envoyé un message, je dis enlève tes chaussures. Les mecs c'est trop propre, ils cachent des trucs. Oui. C'est quand il nous a dit ouais c'est super propre chez Alex, on a dit mais en même temps c'est Alex, on le connaît. Toi ton bureau est toujours clean, y'a rien qui dépasse, t'es un petit peu. Bah l'inverse de Steph, on peut le dire. Vas-y. Quand elle a dit toi ton bureau, ça voulait dire à l'inverse de Steph, on avait tous compris. T'as filmé le coin d'Elise, parce qu'elle rigole beaucoup, mais filme le coin d'Elise. Bureau d'Elise. Il y a du bazar partout Elise. C'est pas du bazar. Si. C'est des choses. C'est des choses. Non mais c'est pour ça que moi je range bien, Steph il range pas beaucoup, c'est pour ça qu'on est tic et tac. Oh, ils m'ont manqué, ma petite G-Corp, elle m'a manqué.
Bon, les gars, ce week-end, il s'est passé une dinguerie avec Gentlemates. Toi, t'as bien suivi, toi, t'as la casquette et tout. Vas-y, dis-nous tout, explique-nous tout, parce que moi... J'ai passé mon week-end à regarder, du coup, les Worlds de Fortnite, enfin, l'équivalent de la World Cup, les FNCS Global Championship. Et parce que tu connais tout, toi ? Bah oui, je suis beaucoup Fortnite. Andreas est notre spécialiste Fortnite. Non, mais ouais, autant, tu vois, les Valorant, League of Legends, des trucs comme ça, j'ai pas trop suivi, j'ai pas trop joué. Donc, je m'y reconnais moins, même si j'aime bien regarder. Mais Fortnite, c'est depuis le début, en fait, j'ai pris le train et je kiffais, je regardais la compète. La première génération, Kinstar, Nikov, Airwax, tu connais bien. Hein, ouais, tu connais bien. Je pense que le jus de pomme de Nikov, là, ça a fait son effet un peu. Ouais, franchement, il était grave bon. J'aime bien. Non, mais pas sur toi, toi, t'as pas joué. Ah, sur eux. Déjà, le fait de se qualifier à cette World Cup, c'est une perf de ouf. Mm. Ils ont fait top 27. Le début de la compète, c'était compliqué parce qu'ils sont allés au lower bracket. Et au lower bracket, du coup, voilà, c'était soit tu fais top 25, sinon c'est fini. Et du coup, ils se sont qualifiés là. Et du coup, on a eu une journée de plus de compète. C'était incroyable. Et du coup, à la finale, ils se sont bien débrouillés avec des petits moves très marrants. T'as vu, toi, un peu sur Twitter? Non, mais de toute façon, tu vas mettre des clips. Ouais. Où du coup ils ont farmé la storm sur un mec, ils l'ont pris sur... On va l'emmener dans la jungle. On va l'emmener dans la jungle. On est en train de le heal pour lui mettre des dégâts les gars et augmenter notre storm surge. C'est des petites stratégies où ils ont pris en piège des mecs dans des maisons et tout. Ça c'est Ketzone qui est derrière ça, très très chaud pour les strats etc. Et du coup ça faisait plaisir de les voir qualifiés en finale dans cette compète. Tout le roster c'est des mecs, tu vois ils vivent pour ce jeu. Ils sont grave impliqués dans le projet et tout. Et c'est cool d'avoir du Fortnite chez M8. Et c'est cool de les voir à ce stade de la compétition. Je pense que c'est des compétiteurs, ils auraient aimé faire mieux. Mais c'est déjà une perf de fou. Moi je sais que ça te tient à cœur Fortnite. Ouais, moi je dis à Fortnite, toi t'es un gars Fortnite, toi t'es un gars. De toute façon, les prochaines compétitions ils vont encore être là. Là, ils vont être revanchards. Ils vont être revanchards. Ils ont pris full XP en ayant vu comment ça jouait et tout. Ça va être chouette. Moi, j'aime bien la tournure quand même que prend M8 là, les trucs et tout. Bah, là, c'est cool, mais ils ont fait le bootcamp ici d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y avait la séquence avec Nikov. Exactement. Et tout. Ah, c'est stylé. Allez, M8. Qu'est-ce que tu te dis, Steph? Encore une idée fabuleuse. Qu'est-ce que je viens pas de voir? Qu'est-ce qu'il a laissé ce fou? J'ai une idée. Je pense qu'on va aller faire une chasse au trésor. Est-ce qu'on prend pas des touches vraiment qui sont relou et qui sont en plus les premières lettres? Ouais. Le E, le A, le S, ouais. C'est vraiment des petits filous. Moi, je filme. Je suis pas dedans. Contrôle, c'est bon, j'ai eu les deux. Que vous faites? Tu veux venir participer au prank de Yann? Oh, let's go! Ça va lui cacher des touches. Oh, j'ai une idée de cachette de fils de p***. Tu vois la fontaine à eau? Dans la fontaine à eau, le gobelet tout en haut. Et tu mets toutes les touches dedans. Non, mais une partout, enfin on cache un peu partout, tu vois. C'est vraiment des bâtards. Si on c'est une chasse aux œufs. Si on oublie où sont les touches, c'est fini. Oh, quand tu vas le remonter, il... C'est incroyable. Ça va être incroyable. Bonne soirée, Yann. Tiens, cher, Yann, cher. Alex, tiens. Alex. Moi j'ai le A. Moi j'ai le control. Regarde, juste là. Hop. La cachette. Incroyable, non? Ah ouais, putain. Il n'aurait jamais dû faire ça. Là. Et juste là. Oh, incroyable. Oh, ça va être incroyable. Dans le décor de Coco. Ah ouais, dans le décor de... Ah, je vais baiser. Attends, est-ce qu'il y a moyen de le mettre juste en dessous, le Iron Man? Ah non, dans le petit coffre One Piece. Oh, tu peux? Oh, la dinguerie, mais jamais il va trouver, là. Andreas, on a le cachet regarde ça. En dessous, là. Ok, vas-y, chaud. Moi, je voulais mettre quelque part en bas, dans le studio en bas. En bas, là. Ça rentre nickel. J'ai un contrôle à mettre. Regardez, vive le couch ball. Ah oui, pour le couch ball. Ah, tu la fous dans la fente, là. Voilà, du bouli de grande envergure. Vas-y, moi je vais le mettre. Je vais le mettre en bas quelque part, je sais pas où. Où est-ce que je... Oh, je vais le mettre dans le frigo, frère. Je vais le mettre dans le frigo en mode posé, genre elle l'attend, tu sais. Comme ça, bien droite. Comme ça, elle le regarde, elle va le regarder, frère. Je suis mort. Quelque part, on en met une autre. Vas-y. Oh putain, on va jamais la retrouver. Mais si, regarde, là, comme ça. Là. En évidence, mais genre... Ça, là. Ah, pas mal. Pas mal, là. Parce que là, tiens, on va lui donner des indices, on va lui dire végétal. Ouais. Et du coup, lui, il va regarder dans tout le putain gros, de il mur. Il va serrer, gros. Il va mettre 1000 ans à tourner. Attends, mais par contre, moi, j'ai oublié toutes les cachettes. Non, moi, c'est bon. C'est bon, on a le rush, Heureusement qu'on a fini. Merci, Yann, d'avoir dit que j'avais la diarrhée toute la semaine. Gros bisous. J'ai refait mon clavier. Mais comme par hasard, il manque des touches. Est-ce que ce serait pas un prank d'Alex, genre, au hasard. J'espère avoir ça, Franck. Bon, c'est vraiment la merde, mais trop bizarre. Genre, j'ai envoyé un message sur la conv, et genre, Alex, il m'a dit, filme-toi. Je vais appeler Stéphane Andreas. Ça va En gros, j'ai un souci. Il manque quelques touches, quoi. Hier, je les avais mis à sécher à l'envers, et là, elles étaient toutes à l'endroit. Il manque des touches, là? Ouais, bah, il en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait beaucoup, quand même. Moi, je sais pas ce que t'es en train d'insinuer. Sache que j'y suis pour rien du tout. Je suis parti un des premiers hier. Qu'est-ce qu'il a laissé, ce fou? Parce que hier, vous avez fait un prank, non? Et t'as pas dit, genre, c'est le retour des pranks à la J-Corp, genre? Attends, avant de te venger, PTDR, chaque prank en son temps, on va te faire une chasse au trésor. Mais j'ai pas le temps, en fait. Oh, le bâtard.
bâtard. Par contre, pourquoi il dit qu'on il parle de toi, Andreas, avec lui, Alex? Parce que moi, je suis pas dans le coup, hein. Non, non, je pense qu'ils sont plusieurs dans sa tête, hein, parce que moi, j'y suis pour rien, là. Bon courage à toi. Mm-hmm. Bonne journée. En tout cas, si t'as besoin d'un clavier ou quoi, en bas dans le stock, bah, t'en prends surtout pas, parce qu'on en a plein, d'accord? Bon courage, mon stuff. A tout à l'heure. Je te le jure. Bon, il y a Andreas qui devrait plus tarder. Alex aussi, j'espère. Parce que un peu long, quoi. J'ai chié sur son bureau. Je vais te buter, Alex. J'ai encore les clés de chez toi. Et oui, je te les ai rendues, mais j'ai fait des doubles. Tu feras moins le malin quand tu auras la diarrhée tous les jours. Ça, c'est du prank. One hour later. Bon, il y a l'autre connard qui est arrivé, là. Alex. Oui. J'ai envie de retrouver mes touches. T'as fait une séquence ce matin? Oui. Tu sais, j'ai bugué, non? Il me restait une touche et je vois, il fait bah attends, il en manque là. C'est trop drôle de voir ça. Bon, comme tu peux le voir, on a bien pré-shot les bonnes touches. Alors, il faut savoir que parmi toutes les touches hors contrôle, hors le C et hors ça, c'est les initiales de tous ceux qui ont participé au prank. Ouais, je me suis douté. Bah, en fait, ce qui est pas malin, c'est qu'il m'a fait ah, t'as pas regardé le plan? En fait, non, mais attends, non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Attends, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'avais la musique, là j'étais là et il me dit un truc. Et en fait, j'étais trop matrixé. C'est mon inconscient, j'étais trop matrixé par ça. Et j'ai cru entendre, attends, mais je vais regarder le plan. J'ai cru qu'il m'a dit ça quand il m'a interpellé, alors pas du tout. Et du coup, il me dit, et là, il attends, regarde, il bug, il fait, je vais aller regarder du coup. Et du coup, j'ai pas regardé, j'ai juste vu le début où il y avait Steph. Alors que Steph, je l'ai appelé et il a dit, ouais, moi j'en sais rien. Bien sûr qu'il en sait rien, Steph. Bon, on va aller chercher ces putains de touches. Attends, on dirait qu'on faisait des énigmes maintenant. Moi, je pense qu'il y a une touche, on peut faire chaud, froid, chaud, froid. Bah, déjà, un indice pour trouver deux touches qui sont sur ton bureau. Et là tu m'as pranké, il y en a pas sur le bureau. Il les a trop bien cachés, il va casser son crâne. C'est trop chiant, wesh. Je déteste ça, je suis l'homme le moins patient du monde. En plus hier. T'as cherché partout. Hier, autre truc, hier, j'ai pété mon écran. Quoi? J'ai mon écran, mais... j'avais ma gourde comme ça, posée devant mon écran. Bien remplie, bien lourde. Je me tourne coup de coude dans la gourde. Pa! Comme ça. Éclaté. Trop bien cette gourde. Oh, elle était pas tombée. Oui, je pense que ça peut se réparer. Je pense que ça se répare. Vraiment pas, frère. Hashtag gagné. Bon, faut que je cherche, il y en a vraiment un là. Ou tu me prends depuis tout à l'heure. Non, il y en a vraiment un, on te voit pas. Sur ton bureau. Allez, on va trouver. C'est pas un banger cette cachette, c'était la mienne. Bien joué, bien joué. Dans la truc d'Oscar. Celle-ci, elle va là. Ouais. Et de 1. Tu mets ce jingle à chaque fois que j'en mets une. Ouais. Voilà, faut... c'est parfait. C'est, chiant, c'est, fou, c'est fou d'être aveugle comme ça. Oh putain, là. C'est fou d'être il a tête... J'avais oublié, gros. Il avait la tête dessus depuis tout à l'heure. Ouais. Ok. Ok. Chauffera maintenant. La suite demain. Allez. D'accord. Comment ça? Chauffera, vas-y. Glacial. T'es congelé, mon pote. T'es congelé. Question, est-ce que ça reste sur cet étage ou ça peut descendre? Ça peut descendre. Mon pote, t'es congelé là. Non, vas-y. Bon, là, il fait chaud ou il fait froid là? Encore plus froid. Mon pote, t'es congelé là. On est au pôle Nord. Ah ouais, là vraiment. Non, c'est l'Antarctique carrément. Faut des chiottes. Comment là? Alors? Non, t'es un peu plus réchauffé. Mais attends, mais quoi? Non. Comment ça, il y a des gens qui hésitent? Ça veut dire qu'il y en a une pas loin, mais c'est pas celle que vous voulez que je trouve en premier, quoi. Bah non, je l'ai. Mais putain, mais non, mais t'es trop con. Celle-là, c'était pas celle qui était prévue. Ouais! T'as pas froid, toi, Andreas? Ah, si, là. Ouh. Là, je me pèle un peu, là. En plus, je suis venu en trottinette, il faisait vraiment froid. Là, j'enlève mon bonnet, je commence à me déshabiller. Là, je suis quasi à poil, là. Là, il y en a un dans le coach ball, là. Contrôle! Ouais! Très froid. Ah, j'ai froid. Là, t'es quoi? Là, je suis bien. Ah, je suis bien. Là, j'ai chaud, là. Il est niqué, le tableau. Oui! Let's go! Oh! Zbéon! Ouais! Mon premier est congelé. Mon second se boit sans sucre. Mon troisième possède plus de caméras que dans n'importe quelle pièce de ces locaux. Tu peux faire un mot là? Non, c'est juste tu dois trouver la zone à partir de ça. Là, voilà, c'est juste des indices, faut pas du tout faire un mot. Mon premier, c'est genre, tu sais, le mot. Frigo, Red Bull, ça fait pas un mot, hein. Bah, c'est le frigo, Red Bull. Ouais, de toute façon, il y a tout qui ouah, c'était trop dur. Contrôle. Oh, elle est fraîche. Ah, ouais, je l'ai mis hier soir, du coup. Ouais! Bon, c'est quoi la dernière? Ok, c'est dans un coffre. Coffre. Non, vas-y, t'as un bah, il est là. Oh là, j'ai levé les yeux. Ouais! Eh ben, le A, frérot. La vie de ma mère, que le A, je sais pas où il est, par contre, vraiment. Mais le A, c'est moi alors. Non, moi, je pense qu'il faut qu'on regarde. Viens, on regarde le rush. Ouais. On regarde le rush. 12 seconds later. Con, je suis un gros, c'est moi qui l'ai caché en plus. C'est bon, on vient de voir, mais il était trop con, frère. C'est quoi, il était tellement bien caché que même moi, je l'ai oublié. Faites pas un truc trop simple, laisse-moi le temps de chercher. Okay. C'est quelque chose que tu fais tous les jours. Le montage. Ça peut être ça. Fais pipi. Franchement, c'est bien. Ce que j'ai dit, c'est bien. Ouais. Parce que c'est pas ce que tu penses. Tous les jours, alors on fait du couch ball tous les jours. Pas tous les jours. Tous les jours, je le fais.
je m'assois. Tous les jours, tu t'assois. C'est globalement ce genre d'action, mais c'est pas. Donc je me lève. Il faut beaucoup l'aider quand même, hein. Lui, il est pas très bon, Nini. Mais comment tu veux que je trouve ? Non, je te jure, il va trouver parce qu'il est dans le bon truc là. Je mange. Est-ce que tu peux vivre un jour sans manger ? Donc tu peux ne pas manger de la journée. Tu peux ne pas t'habiller de la journée. Je bois de l'eau. Est-ce que c'est vers la fontaine ? Vas-y. Franchement. Si tu te connais bien, tu sais où c'est. Oh, j'aurais dû faire tellement plus dur. Ouais. Mais il se connaît pas, c'est bien. Attends. Il est là-dedans. Ah oui. Et tu vois ce que je vais dire, j'aurais dû enlever 3-4 gobelets. Ah ouais, ça aurait été horrible. Ouais. J'ai toute la tour. Bravo pour l'énigme, c'était bien. Elle était bien l'énigme. Est-ce que ce prank vous a plu? Tu fais quoi, Andreas? J'ai envie de lui faire un big prank à Camille. Faut la lâcher, hein. Peut-être ça va l'énerver. Hein. Bah ça va, elle va pas faire la carène pour un prank. Bah vas-y, attends, on fait un truc léger. C'est pas une idée de ouf, en vrai. Pourquoi? C'est dangereux. Pourquoi? Parce que si je fais ça... Ça tient, non? Faut pas lui dire que c'est moi parce qu'elle va me tuer. Non, c'est bien, non? Vous en pensez quoi là-dessus? Viens, rajoute des trucs sur non, la chaise. Non, vas-y, je te laisse en vrai. Putain, Andreas, t'as vraiment des idées de fou furieux. Non, mec, vraiment, c'est ton idée de... T'as trop de bonnes idées. Oh, viens, on lui fait une petite statue, là. On écrit CDI. Incroyable. Le prank est réalisé. Attends, je mets un petit texte. Pranked by anonyme. Toi, t'adores le risque, toi. Pranked, t'es écrit vraiment comme un CP, par contre. Et je fais exprès de mal écrire, parce que je la sens dire « Oh, on va tester les écritures de tout le monde, comme ça je sais qui c'est. » On a là-dedans. Viola team, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 18 octobre. J'arrivais à mon bureau comme tous les matins. Je salue Lélé, qui était déjà là. Voilà, on se dit bonjour, tout ça, puis elle me dit trop rien. Et moi, je marche jusqu'à mon bureau tête baissée, comme ça, je te l'ai amené dans mon sac. Et j'ai vu vraiment à la dernière minute... Qui s'amuse à faire ça? Pranked by Anonymous. Qui se souvient des pranks Anonymous qu'on se faisait à l'époque? Mais c'était il y a plus d'un an. Déjà, il y a une roulette dans le vide. C'était quand il y avait Mel, ouais, il y a longtemps. Et on se faisait des pranks. Et du coup, on essayait de retrouver qui était Anonymous. Sauf qu'à la fin, il y en avait plein d'Anonymous. Bref, apparemment, c'est reparti. Je suis ravie. Donc, je vais essayer de démasquer qui c'est aujourd'hui, quand on verra. Mes lunettes, en plus. Purée. Bon, maintenant, faut que j'arrive. Enlever la chaise sans faire de dégâts, bien sûr. Bon, bah, mon premier soupçon, on va se diriger sur Steph et Alex, bien sûr. Mais ouais, mais est-ce que... Voilà, tu vois, c'est ce que je disais quand je disais, il fallait pas faire de bêtises. Est-ce qu'on a des papiers écrits de Alex? Parce qu'on peut reconnaître genre le Y ou quoi. Faut mener l'enquête. Bisous la team. C'est quoi l'histoire? Ah, mais arrête. C'est pour la vengeance des yeux. Le mec il se craque à l'infini. Ouais. Je veux pas entendre ça moi, ça me... Mais arrête. J'ai mis split. Celui-là c'est validé. C'est quoi c'est... Ouais. Vas-y, racontez-moi, c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce qui se passe? Là il y a une dinguerie qui se passe pour lundi. Ouais, en fait ça a été... Mouvementé. Ça a été très mouvementé, on a dû organiser ça très vite, donc on avait même pas fait de récap dans le vlog. Lundi prochain, on sera le 23, on organise une soirée, la commu a un incroyable talent, ou presque. Et du coup, on a demandé à tout le monde de participer avec leur talent. Pour tout et n'importe quoi. Pour tout et n'importe quoi, on accepte tous les talents. Et de nous envoyer une vidéo de leur talent, tu vois, pour rendre la chose obligatoire, parce que sinon tout le monde peut répondre, ouais. On peut avoir 50 000 réponses et, fakes, et beaucoup de fakes, donc on a demandé une vidéo obligatoire et donc les gens nous envoient des vidéos. Il y a un mec qui peut se craquer les mains. Et là notamment il y a un mec qui se craque les mains à volonté et tout, oh. Ça horrible. Il fait, en plus sur la vidéo il fait juste ça et il y a tout qui craque. Oh, c'est horrible. Bah là on est en train de sélectionner un petit peu les candidats en fonction de leur talent, de là où ils viennent aussi en France. Ouais, c'est vrai que ça faut... aide hein, quand même parce que c'est dans pas longtemps. On regarde toutes les candidatures et puis après on aura des entretiens pour valider vraiment les candidatures réelles et sérieuses. Franchement l'émission elle va être cool, on met en place un applaudimètre pour que le chat participe. Le jury ce sera Coco, Doig, Locklear. Là j'ai entendu des petites histoires de cracheurs de feu, des trucs comme ça. Normalement dans le casting on a hypnotiseur, magicien, on aura des talents un peu atypiques, drôles, genre un mec qui peut claquer ses coudes, ok? Essaye maintenant, vas-y. Mais quoi? Essaye. Ah, oh j'ai craqué. Oui t'as vu? Voilà, regarde maintenant sa vidéo, tu veux la voir? Vas-y. Oh t'as vu? Mais c'est incroyable. Et donc t'as vu maintenant que t'as essayé, c'est impossible. C'est impossible. Je peux pas faire plus que ça. Je même pas. Non, je pense qu'il se déboîte l'épaule. Ah, je sais. Je vais y arriver. Regarde. Tu te fais pas mal. S'il te plaît. Oh bordel. J'y arrive. Ça c'est mon talent, les gars. Moi j'ai un talent, mais je peux claquer mes... Instinctivement quand t'essayes, tu mets les mains plus basses et t'es vraiment bloqué. En vrai c'est rigolo parce que les garçons dans le jury vont peut-être essayer de le faire aussi. Mais c'est impossible, vas-y refais. Ça serait trop bien que je passe juste après, que je fasse les gars, je sais claquer mes coudes. Et moi je sais claquer mes couilles.
Il y a plein de débats parce que forcément il faut choisir des gens, c'est compliqué. C'est dur, hein. Il y a beaucoup de candidatures. À chaque fois qu'on poste des trucs comme ça, la commune, vous êtes méga réactifs. On a juste posté un tweet et les gens sont à fond de fou. Bon, pendant ce temps, mon petit Yannou. Gouzi gouzi. Gouzi gouzi gouzi. Est-ce que ça serait pas l'heure du Minute Yann? La Minute Yann. Attends, mais elle est trop stylée la timeline. Jamais, il y a plein de couleurs. Tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est la timeline, la vidéo murder de Squeezie. On n'est pas loin, non? Alors, essaie de deviner à quoi correspondent chaque couleur. Attends, c'est un mini-jeu là que tu me proposes? Ok. En gros, il y a trois événements majeurs. Dans les trois trucs qu'il y a, il y a Fortnite, la World Cup. Donc ça c'est bleu. Attends, ça c'est bleu. Attends. Non, il y a Fortnite, ça c'est la vert. World Cup. Ça c'est il y a vert. Modern Warfare, soirée Squeezie et Leclerc. Ça c'est jaune. Et... Putain, il a fait quoi d'autre? Ah si, il y a la soirée Minecraft, je suis con. Minecraft, c'est en vert. Ouais. C'est pas ça? Non, t'as ensuite, pas fait RT. Ensuite jaune. En jaune, j'aurais dit Call of. Ok, et en bleu? Et en bleu, c'est Fortnite, du coup. Bon. J'ai eu faux partout? Non, si t'as eu juste sur Minecraft, Minecraft okay. C'est en vert. Jaune, c'est Fortnite. Et bleu, c'est. Bleu, c'est Call of. Ouais, ce best-of, il va être incroyable, je pense. Voilà, donc... Celui-là qui est sorti pour les gens semaine dernière, du coup. Il est tellement bien fait, Alex. Mais oui, il est moche comme dans la vraie vie. Ta-da. C'est vraiment un chien dog. Trop bien, les gars. Cliquez. Où est-ce qu'il clique pour retrouver ce best-of? Là. Ah non. Putain, t'étais pas loin, t'avais une chance sur. Ouais, parce que c'est... Non, mais c'est pas inversé. Non, c'est pas inversé. C'est pas inversé, hein. Ouais, c'est là. C'est tout simplement là. Pour retrouver le best. Pendant ce temps, monsieur Evan, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et c'est vrai. Qui ça, était... c'est un petit moment. Qui était à l'école la semaine dernière. Parce que du coup, je suis en alternance, du coup, deux c'est semaines ça. Au taf et une semaine en cours. Et qu'est-ce que voilà. Tu nous fais là? Je vois plein là, de TikTok là. Et là, j'ai mon petit dossier avec tous les shorts et les TikTok que je dois faire. Ouais. Et du coup, là, je suis sur un petit TikTok FIFA de la soirée FIFA. Donc, Flexinho qui marque un magnifique. But. Oh, t'as tiré trop vite. Trop stylé, parce que oui, on fait plein de TikTok et de formats verticaux en général, parce que c'est super important, on est sur plein de réseaux TikTok, YouTube Short et tout. Bon, les gens, vous êtes au courant de toute façon. Bah, trop bien, mon petit Evan. Et regarde, j'ai aussi un petit talent. C'est vrai, t'as un talent toi aussi. Enfin, je sais pas. Et Evan, si il a un talent, les gars. Non, je sais pas. Pour si lundi, c'est il a peut-être talent. Un talent. Hein. C'est nul, mais je sais juste plier mon doigt comme ça. Ouah. Et genre, ouah. Ouais, comme ça. Bah, le pouce aussi. Ouah. C'est dingue. Ça fait un peu mal. À force, ah, ça fait mal, non, mais fais ouais, pas, ça fait. Tu vas lui coincer son doigt, cher. C'est pour ça que t'es fort sur Valo. C'est pour Minecraft surtout. Là, comme ça, je me mets comme ça, je fais trembler ma main. Ah, tu fais des doubles clics, incroyable. Voilà, voilà. Très beau talent. Si c'est vraiment un talent, mais. Bah, je pense qu'il y aura plus impressionnant lundi. Oui, clairement. Mais c'est un talent plutôt stylé. Oui. Ok, merci, Anki Ivan. Andreas, j'aime bien faire mes petits tours comme ça, mes petits tours de garde là. Pourquoi tu me touches hein, tu te blesses ou quoi? Non, ça va. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le petit Andreas? Là, t'es en train de me dire que t'es en train de monter le vlog. Vous avez passé la semaine à dire que j'avais la chiasse, c'est ça? Attends, on a dit même pas, je pense. Vous l'avez même pas dit? Je pense que j'ai le seum, mais je crois pas. Vous avez même pas dit que j'avais la diarrhée? Non, parce qu'on est pas malveillants. Donc. Vous êtes gentil. Attends, mais j'aurais dû le dire, mais pourquoi je l'ai pas dit? Pourquoi vous avez pas dit que j'avais la diarrhée? Bon, bref, un moment de. Y a Alex qui est en train de se chier dessus. Alex va avoir besoin de toi pour le slip. Quoi? On va voir ça après. Oh, il y a un clip où je serai en slip en moment. Et ça... c'est même pas une vanne. Let's go! Oui. Tu veux quoi, frère? Bah, dis-moi ce que tu fais de beau là, moi bah, je... Donc Andreas c'est toujours, tu sais, il a toujours la punch, il est là, ouais. Il est motivé. Je suis en train de monter le vlog. Vlog que moi j'ai pas vu du coup, parce que vu que j'étais malade, je sais pas juste ce que ça a. Oui, oui, on rappelle que t'avais la chasse, extrait. T'es vraiment un chien. Je suis sur la fin du dérush, montage, c'est-à-dire que je me mets des petits pings là où j'ai envie de soit de mettre des extraits, soit de mettre des vannes, pour ensuite partir en habillage, texte, effet visuel sur After, déroulement classique d'un vlog. Et trop en plus bien. C'est cool parce que dans celui-là, celui que vous avez vu la semaine dernière du coup, il y a le petit moment où on voit tous les dessous des effets de... Oui. De Yann et c'était vachement cool. Le best-of, le dernier best-of qui était super drôle, les transitions étaient trop bien. Il s'est vraiment donné sur l'avant-dernier best-of, du coup, avant-avant-dernier pour vous. Ouais, parce que le dernier était nul à chier. Bon, Pierre-Louis, comme d'habitude, comme dans l'intro des vlogs, il est aux toilettes. Lélé, qu'est-ce qu'elle nous fait là, Lélé? Bah, tu peux pas regarder, mais de la compta. Je peux pas regarder, c'est pour ça que tu vois là de suite, je me suis mis derrière l'écran. Et ouais, non, compta, bah, comme d'hab. Hein. Compta à fond. Du chiffre. Élise, elle est au tournage de Jilcy avec Coco. Camille, elle est à fond sur les reviews, vous l'avez vu juste avant. Et moi, et ben écoutez, moi. Je fais des réunions là cet après-midi. Trop sympa, Andreas il a pris la cam pour me filmer. C'est vrai que moi c'est toujours dur parce que je sais pas trop. Tu sais, c'est bizarre, moi je trouve, de prendre la cam et dire mais moi je fais ça les gars, tu vois. Bah, parce que en fait c'est bizarre parce que tu fais rien et donc t'as rien à dire. C'est ça que tu veux dire? J'ai l'impression qu'on me fait une réputation du mec qui fout rien. Non, je t'arrête, vas-y, qu'est-ce que tu fais? Là il y a des trucs trop sympas qui sont arrivés. Déjà, on a lancé une nouvelle chaîne YouTube, Gotaga Replay elle s'appelle. On met dessus tous les replays complets des lives de Corentin. Il y aura pas tous les lives, mais globalement les trucs les plus pépites, etc. Donc abonnez-vous.
Et deuxième chose, là, du coup, je suis en train de bosser sur la soirée Minecraft, comme on a vu. On doit écrire la voix off, comme d'habitude, comme les vidéos GeoGuessr, la vidéo pêche que vous avez bien aimé aussi. Et là, en gros, moi, je bosse avec Nico, qui, du coup, est notre journaliste, entre guillemets. Il nous aide à écrire plein de trucs, parfois dans l'édito, sur certaines soirées du lundi, etc. C'est un crack absolu. C'est lui, notamment, qui vraiment m'aide de fou sur l'écriture des voix off pour les nouvelles vidéos de Corentin que vous aimez beaucoup. Et du coup, ben, là, je suis à fond là-dessus. Et puis après, pour que ça parte en montage, quoi, tout simplement. Gros merci à vous, encore une fois, sur la soirée Minecraft. Franchement, vous avez été des cracks. J'espère que la vidéo va bien rendre parce que le live il a duré 6 heures. Je sais pas si toi tu l'as vu, il était long. Coco, il voulait respecter toutes les constructions. Ouais, du on coup, a, mais on c'est a dû faire une présélection. Il y a eu plus de 1200 constructions. Ouais. On a pu garder sur les 3 thèmes que 15 construits et 15 construits et 15 construits à peu près. Et du mais coup, du coup, il a respecté jusqu'au bout la mission. Tout le monde, tu vois, il voulait pas bâcler certaines visites de maps et tout. Donc, il a passé du temps chez toutes les maps pour toutes les personnes, essayer de vraiment faire le meilleur jugement possible pour essayer de délire des finalistes qui ont tous gagné des lots, etc. Mais ça, de toute façon, vous le savez, ou vous avez vu la vidéo, ou vous allez la voir. Abonnez-vous à la nouvelle chaîne YouTube, on va poster plein de trucs dessus, on est trop content de ce nouveau workflow, etc. Ça va alimenter un peu plus YouTube, et même vous, vous le demandez, vous manquez de rediff. Ouais, à chaque fois, il faut aller sur Twitch, etc. Donc là, là vous allez pouvoir avoir tout ça en free sur YouTube. Pas tous les lives, bien sûr, mais certains en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour moi, et on est parti au boulot. Alors, je vais avoir besoin de toi. Ah, et du coup, on disait... Explication. Gotha visite une map, dans la boule du dragon, et il y a plein d'argent. Il y a plein d'argent. C'est la YouTube monnaie, c'est l'argent de Gotaga. Et regarde ce qu'il dit. Le salaire de la G-Corp. Oh, il y a beaucoup. Ah, la G-Corp, Et du coup, moi, ce que j'imagine, c'est que, tu vois, le salaire de G-Corp, hop, l'écran se décale un peu sur la gauche, ouais. Et à chaque fois qu'il met un coup, qu'il s'enlève un truc, toi, sur ton bureau, tu perds un truc. Ouais. Genre, tu vois, t'es en train de bosser, à chaque fois qu'il, par exemple, ton Mac, il disparaît, tu fais, oh, après, t'as un autre écran qui disparaît, hop, et le dernier, bah, juste, t'es en slip. Ah, j'aime trop. Je suis en slipard direct. Ouais. Et ce sera une demi-frais. Ok, vas-y, c'est bon, vas-y. Et ensuite, là, à la fin... Alors, moi, je serai toi, Gotha, je regarderai derrière quand je marche dans la rue. Et là, au moment où il dit ça, il y a quelqu'un qui sort de derrière sa chaise avec un gun, il tire et ça fait la fin du poste. Sur fond vert, du coup, il fait schlac, paf. Et avec sa fillette, ça fait le bruit, paf. J'aime trop la créativité de Yann, les idées, tu vois. Ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, c'est que du papier, mais c'est clair, tu vois, c'est clair, net. Et je vois pourquoi est-ce que c'est malin que ça marche, ça a bien marché. T'as un peu la capuche. Alors, on fait ça maintenant, là, direct. Vas-y. Ouais, y a ton bazooka, là. Je suis désolé, j'ai pas de voir. Ça, c'est. Eh, vous avez la ref ou pas si je vous dis ça, c'est ma. Ça c'est ma fusée en. Ah, merde. C'est le nouveau même de Andreas après la cuisine, c'est ça, il le met à chaque vlog. Ok, du coup le plan faudrait que tu fasses. T'imaginais que en face de toi il y a la chaise Kertus et que tu fais. Tac. Et tu veux pas le faire toi? Oui, au pire on peut. Parce que moi vu que je suis déjà passé une fois, si tu veux je t'aide à setup et tout. Casse la gueule à chaque fois que je passe devant. Non, t'es bien là. T'es bien là. Et voilà, c'est bien quand c'est toi aussi un petit peu, Yann. Il est où le fond vert? Du coup, le plan, il faut que je sois sur la gauche du fond vert. Oui, mais là, on te voit. Là, tu dépasses. Et te lève pas comme ça parce que le fond vert, t'es trop là. Okay. Et remets-toi à droite, enfin de l'autre côté. Non, là, t'es trop à gauche là. Décolle, reviens un peu. Voilà, stop. Mais... Je fais comme ça. Là, t'as trop dépassé. Ok. Là, tu sors, tu dépasses de tous les côtés là. Bon, on va dire que c'est bon. Je pense que t'es pas mal. Non, moi, je serais toi, Gotha, je regarderai derrière quand je marche dans la rue. Ça va, mec. Nickel. Par contre, t'as un vrai flow de cambrioleur, toi. T'inquiète, j'ai pas pris des trucs chez toi hein, quand je suis venu. Ah, c'est pour ça. J'ai plus de PC. J'ai vrai qu'ils s'en rendent compte que maintenant. Bon, allez, maintenant, tu te mets à poil. Donc là, faut que ce soit un plan fixe. Schlack, tu perds ta Red Bull, tu perds ton Mac. Ce serait marrant que tu perdes un écran, que ce soit très visuel. Là. Bouge plus. 3, 2, 1, ton Mac est disparu. 3, 2, 1, l'écran disparaît. Et là maintenant c'est ton pute qui disparaît. Hé hey, mec, on remet, mes chevilles ou pas? Ouais, je te casse. Oh, nickel. Non, c'est incroyable ça, j'ai découvert avec les Calvin Klein. Genre là, tu peux récupérer. Non, là, l'écran a disparu, donc tu regardes à gauche, et là, d'un coup, tu vois que ton truc, que t'as plus d'habits. 3, 2, 1... Voilà, le G-Corp, on peut un peu retirer. C'est incroyable, c'est bon. C'est bon. Nickel. Attendez. Ok, j'y vais. Coucou les sangs, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie, tout ça, tout ça. Moi, dans la mienne en tout cas, beaucoup de travail, et du coup je vous ai préparé plein de belles choses. Et j'ai un petit teaser surprise pour vous, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires.
Yo la team, je me baisse parce que j'arrive pas à régler le pied. Du coup là, on est en train de passer les entretiens parce que lundi, il y a la commu à mon incroyable talent. On a eu une semaine pour préparer ce live, donc c'est très 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 short. Donc là, on est en train de passer des entretiens aux artistes talents. Donc c'est Cam qui valide l'entretien et on est avec Alex et l'équipe édito, voir ce qu'ils ont besoin en termes de technique sur les plateaux, comment ils se rendent aux locaux, sur le lieu de tournage, etc. Donc c'est parti. Hello. Bonjour. Salut Quentin, ça va ? Bien et vous ? Pourquoi on est autant ? C'est juste pour que tu puisses parler avec du public en face, entre guillemets. Et ça nous permet de faire un premier petit test. Donc voilà, je vais te laisser entre les mains de Camille. Ok, parfait, merci. Je vais t'expliquer un petit peu le déroulé de la soirée et tout. Bah, on te dit à lundi, Quentin, repose-toi bien et arrive-nous en forme et souriant lundi. Parfait, merci. Salut Quentin, à lundi. Du coup, la team, on va aller voir Cam Cam qui est dans sa petite salle là. On va essayer de débriefer avec elle. Alors, ce petit point, ce premier candidat. Bah, trop cool, en vrai, c'est l'un des plus faciles parce qu'il habite pas loin. Cam Cam, du coup, je crois qu'elle a imprimé, elle a des petites fiches pour chaque candidat. Comme ouais. Ça, elle a toutes les infos, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin, l'heure d'arrivée, où ils habitent. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf qu'on a. Je vous laisse avec Cam Cam, la team, pour encore un entretien. Ah bah, soignez avec nous. C'est hello sûr. Bonjour. Alright. Alors, le concept de la soirée, c'est de permettre à ceux qui le souhaitent de présenter leur talent dans une ambiance décontractée et bienveillante en direct sur la chaîne Twitch de Gotaga. Ouais, la team, bon, on a fait plein de castings, on a vu plein de gens, tous leurs talents, etc. On les a briefés pour la soirée de lundi. Demain, on a encore des entretiens. Et pendant ce temps, la petite Élise. Tiens, tiens, tiens. Déjà, il faut savoir qu'Élise, quand on a fait le tour de la semaine, elle était pas là. On n'a pas pu savoir ce que tu faisais cette semaine. Du coup, cette semaine, j'ai fait quoi? J'ai fait un call avec un potentiel nouveau partenaire pour Corentin, un call avec une potentielle destination pour la G-Corp. Oh. Après, bah, plein de trucs, mais que je peux pas forcément vous dire, puisque j'ai répondu à des mails, des propals, des machins. J'avais un point avec la team gaming, des commerciaux, donc on a des OP qui arrivent, okay. Notamment sur Fortnite. Nice. Je pense que vous savez de quoi on parle. Nice. Parce que l'info est sortie. Nice. Sur les réseaux. J'ai bossé sur un nouveau partenaire qu'on annonce bientôt. Du coup, j'ai aussi bossé sur le contrat. Et du coup, là aujourd'hui, j'ai installé des nouveaux trucs. C'est rigolo parce que t'es en mode tu dis, mais tu dis pas trop, mais tu dis un peu quand même. En fait, genre, si c'est pas annoncé, je peux pas dire. Ouais, non, tu du peux coup, pas. Genre, je dis là, ça va être du bip 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 bip. Si je dis trop de trucs. Hier après, on était en tournage avec JLC pour une vidéo sur sa chaîne qui sortira en 2024. Mais je pense que ça va être très cool. J'ai eu un meeting sur la nouvelle loi influence avec l'avocat. Et du coup, bah, en gros, on a refait un brief, etc. pour tout le monde et tout. Donc, super important pour être dans les clous et pas avoir de soucis, quoi, tout simplement. Il reste un truc à faire. Moi, j'ai vu une petite boîte là, elle est trop belle. C'est quoi cette boîte, Élise? Je pense que vous avez vu l'annonce, c'est la nouvelle manette de Scuf. C'est une manette compatible PC. Ah, nice, vas-y, fais voir. Après, je crois que c'est juste la nouvelle manette, mais elle est pas encore aux couleurs de Gotha. Non, elle est pas encore aux couleurs. Mais bientôt, mais, on l'aura. Mais elle est belle. C'est marrant, c'est un peu la forme PS5. Et... c'est une manette PC. Genre, ils l'ont dev eux. Genre, c'est leur malin. Manette. C'est la manette Scuf qui n'est pas basée sur une manette d'une console. C'est cool parce que du coup ils l'ont un peu prévu pour la customisation. Ça se voit qu'ils ont essayé de faire une coque pleine avec le moins de trucs possibles qui seront pas customisables. Elle est maximisée par rapport à toutes les manettes que j'ai vues. Elle est légère. Les palettes du coup elles sont intégrées. Les palettes elles sont là. Tu peux faire filaire ou Bluetooth. Putain mais c'est incroyable. Bluetooth, j'ai parlé comme une daronne. Même pas une daronne, une vieille. Attends, mais t'as les touches ici. What? Ouais, t'as les touches là aussi. Attends, mais tu appuies comment? Ah oui, c'est avec la. Avec ça. Ouais. Ah, t'as levé. Les trigger stop click. Attends, remets. C'est trop bien. Refais ce que t'as en fait. En gros, c'est là. Ça, c'est normal. Quand tu joues à moi, FIFA, j'aime bien quand ça, tu moi. Joues à FIFA, tu cours, ok ouais. Quand tu joues à COD, tu tires. Tu tires ou tu tires avec pas, la M8 Rafale de 3 là. Bra, 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 bra. Ça stoppe plutôt. Et tu bouges pas comme ça. Mais et ça, il y a ça, que sur ces manettes là qu'il y a ça. Sur la PS5 classique, il y a pas, mais sur la PS5 de Scuf, il y a. Vu là, qu'ils sont full libres, bah là, ils ont cherché le meilleur moyen de l'intégrer pour que ça gêne pas, ça prenne pas de place et que ça soit efficient. Et en fait, bah c'est là quoi. Trop bien. Bon, j'attends la mienne. Et nous aussi, hein, du coup. Ouais, hein, comme toutes les autres. Hein. Allez, Scuf, on nous envoie. Et il y a un code SCUF ou pas du coup? Ouais, 5% avec le code Gotaga. Ouais. Ça bouge pas depuis des années, ça bouge pas. Ça bouge pas depuis. Waouh! C'est vraiment les frérots SCUF, hein, parce bah, que. Bah en vrai, de. Vas-y, vrai, quelle année? Je pense que ça bouge pas depuis 2012. Tu te rends compte? Je pense qu'il y a pas beaucoup de. Ça fait au moins 5 ans. J'ai pas la date exacte, mais ça fait vraiment longtemps. Vous avez fêté les 10 ans? Ouais, avec la Legacy qui est sortie en début d'année. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont des partenaires si longs comme ça, parce que c'est vraiment un accompagnement de carrière quoi en fait. Ouais, hein. De ouf. Bah c'est un peu comme avec Red Bull en vrai. Puis surtout, 2012, Coco il était encore pro dans des trucs et tout, oui, tu vois. Oui. Donc c'est vraiment, franchement, c'est vraiment les frérots, ce keuf. Non, c'est pas mal, hein. Chaud bâtard. Trop bien. Wesh, Élise, bien ou quoi? Ouais, ça va. Tranquille, ouais. Vous avez fait quoi, petite réunion? Ouais, petite réunion, mais projet secret, donc on peut pas trop filmer. Ah ouais, mais vas-y, viens, je filme quand même un peu pour bêtiser. Tu veux un time-lapse? Ouais, pour bêtiser. Okay, vas-y, on fait ça. Vas-y. C'est avec Camille, du coup, petite réunion. C'est ça. Les gars, des projets secrets en cours, on aime. Voilà, on voit bien. Bon, bah, bonne réunion, les filles. Merci.
Allez. Ok, let's go. C'est bon pour nous. On vous dira bientôt. Bisous, ciao. Ciao la team. Ah bah tiens, oh. Il est là. Alors c'était bien cette réunion. Ouais, c'est projet secret et tout. Ouais, 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 c'est bon, on a tout géré. Donc bah tiens, je te rends la cam, tiens, j'en profite. Vous verrez ça bientôt la team. Et moi je suis même pas au courant, faut me dire aussi. Hein. Attends que tu sois au courant, t'inquiète. Bon la team, on va aller voir le petit Steph international, voir s'il a pas des trucs à nous dire pour le blog. Non, je passe sur le projet secret. C'est je suis pas au courant du projet ah secret. Ah ouais, j'avoue, ouais. Pas me dire de ouf. Moi aussi, je me sentis grave à l'écart. Qui c'est qui a pas payé l'électricité? Mais qui c'est qui me douche le cul là? Wesh, quelqu'un a entendu? Ouais, ouais. Non mais c'est Rovan, c'est un de vous? Andreas, t'es là? Ouais. Élise? Ouais. Camille? Ouais, ouais. Evan? Il répond pas là. Attends, je vais allumer les lumières, ça me fait trop ouais, peur. Ouais, vas-y, s'il te plaît, Steph. C'est bon, les gars, j'ai remis les lights. Oh putain, les gars, je crois qu'Evan il a fait un malaise. Quoi? Il est couché par terre. Sérieux, appelez les pompiers, c'est pas une vanne. Wesh, il respire pas. Putain, je sais pas, il respire Evan. Plus. Les gars, écoutez-moi, mettez-le en PLS, je vais chercher les secours. Okay, mais il respire pas, Elise. On le met en PLS, écoutez là. Putain, il est lourd le coup, mais il respire. Ça va, un verre d'eau peut-être, un verre d'eau. Chut. Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer. Ah non, on est enfermé. C'est Elise. Va aider peut-être en place. Putain. Oh non, c'est Elise. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Oh les gars. Evan, Elise. Mais allez. Non, t'approches pas. Écartez-vous déjà. Écartez-vous. Les gars, j'ai envie de vomir. On va réfléchir. Ça va aller, Yann. Les gars, c'est la merde. Faut réfléchir. C'est sûr, c'est moi. Non, commencez pas. Ça va aller. Ah les gars, j'ai mal. Ça va. On s'échappe et après on verra. On va. La terrasse. Oui, la porte de la terrasse. On y va. Attendez. Allez, tu fais quoi, Steph? Je vais vérifier les fenêtres. Les gars, c'est Andreas, ça? Mais oui, putain, faut aller voir. Ah putain, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, les gars. Bon, voilà. Lui aussi. Oh non. Mais c'est sûr, c'est Steph. Non. Alors, j'étais sûr que c'était toi depuis le début. Mais ça peut être que toi. Ça peut être que toi. Putain, mais Cam, qu'est-ce que t'as fait? Cam, qu'est-ce que tu fais? Là, j'en peux plus de leur prank, je vais exploser. Mais si on peut plus, on va tous les fumer. Je suis désolé, je cherche une salle pour les cours. Ok. Pas des trucs à nous dire pour le blog? Je passe sur le projet secret. Non. Mais wesh, c'est qui a pas payé l'électricité? Mais qui c'est qui bouge le cul là? Andreas, t'es là? Camille? Ouais. Oh putain, c'est fermé! Ça chauffe pas! Oh non, c'est Elie! Alors c'était bien cette réunion? Les gars, j'ai envie de vomir. Mais pourquoi tu fais ça? On est bien là. Je suis un peu dans le chiotome. Ouais, je vois. T'as pris quoi toi? Mais comme gros lit. Toi? Raclée tout entier, comme ça. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon.